D'abord, c'est la volonté de faire revivre des résidents qui m'ont marqué, qui m'ont bouleversé. Et toutes ces personnes qui vivent dans des maisons de retraite et qui sont oubliées. C'est aussi pour rendre hommage à ces personnes, notamment les soignants, qui font un travail, pour la plupart, hein, formidable, même s'il y a toujours quelques moutons noirs, qui n'est pas assez connu, pas assez reconnu. Après, c'est pour rendre hommage aussi à ma grand-mère, qui m'a élevé, parce que j'ai toujours eu un contact particulier avec les personnes âgées. Et si j'ai changé de carrière à 40 ans pour faire une activité plus humanitaire, c'est en souvenir de ma grand-mère. Et enfin, c'est pour dénoncer les abus d'un système mercantile, assez cynique, et qui dégage des rentabilités très importantes sur le dos, on peut le dire comme ça, hein, des résidents.